le cadre du festival qui naîtra, le Ciné-Club organise en partenariat avec l'Université Ibn Tufayl, l'Institut français de Kénitra, cette rencontre aujourd'hui relative au cinéma, au 7e art. C'est une journée vraiment très spéciale parce qu'il y aura une table ronde qui concerne l'impact de la pandémie du Covid sur le cinéma. Quand on parle de l'impact, elle concerne aussi le public, que la production, que la réalisation. Donc c'est un problème vraiment que nous sommes en train de vivre, pas uniquement au Maroc, mais au niveau international. Et par la suite, il y aura une projection du film de Hassan Mjelloun, qui a été réalisé l'année dernière, mais que le public peut-être n'a pas eu l'occasion de le regarder à cause de cette pandémie. Donc il y aura avec nous le réalisateur Hassan Mjelloun qui va présenter, qui va discuter ce film à l'issue de la projection du film. Donc ça sera vraiment une journée spéciale cinéma et on espère que au niveau, à notre niveau, bien sûr, et grâce à l'Université Ibn Tufayl et grâce à l'Institut français, qu'on va contribuer à ce débat en ce qui concerne l'impact du Covid sur le cinéma marocain. On est très heureux aujourd'hui de participer à la 6e édition du festival Kénitra, qui est un festival dédié à la jeunesse de la ville de Kénitra pour une séance de cinéma. Ce festival en est donc à sa 6e édition. C'est un partenariat avec l'Université Ibn Tufayl, le Ciné-Club de Kénitra ainsi que l'Association marocaine des enseignants de français. Cette année, évidemment, pandémie oblige, on a été obligé de revoir la formule avec laquelle nous avons organisé ce festival. Ce sont donc depuis le mois de février des formations qui ont permis d'accueillir des étudiants de l'université, des lycéens, des jeunes en règle générale qui ont pu donc faire du théâtre d'improvisation, qui ont pu découvrir des auteurs puisque nous avions une table ronde avec qui était organisée par Youssouf Amine El Alami dans le cadre du club de lecture de l'Institut français de Kénitra qui avait invité Zainab Fassiki ainsi que Jaili Amadou Amal pour un échange sur l'exclusion. Donc ça a été un moment très intense. On a ce soir du cinéma, on a eu du théâtre d'improvisation hier et nous allons finir en beauté le samedi avec un concert des jeunes de l'incubateur de l'Institut français de Kénitra. Beaucoup sont étudiants à l'université Ibn Tufayl et donc on aura le plaisir d'avoir également Issam Kamal avec nous pour échanger en ligne, puisque Issam Kamal est actuellement de l'autre côté de la rive, il est à Paris et les étudiants seront sur scène et il va échanger quelques chansons avec les étudiants et avec les jeunes de la ville. Alors pour l'impact du coronavirus, ça transforme les pratiques. Aujourd'hui, on le voit bien, nous utilisons d'autres modes de communication. Les événements sont également filmés. On propose des événements donc en hybride avec du présentiel. Nous avons un petit public dans le théâtre universitaire. Et puis nous avons aussi un certain nombre de caméras qui enregistrent et qui vont diffuser les événements sur les réseaux sociaux. Donc je suis très content d'être que la MEF participe toujours à ce genre d'activité, à ce festival et nous espérons que au cours des prochaines années faire encore plus d'activités, surtout avec notre partenaire l'Institut français. Alors je remercie toujours encore une fois l'Institut, mais aussi l'Université Ibn Tufayl qui prête ses locaux et qui participe avec une grande importance, donne une grande importance à ce festival. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que la Covid a vraiment perturbé toutes les activités culturelles ici à Kénitra, mais aussi partout.
Donc nous espérons que cette pandémie dégage de nos lieux pour qu'on puisse avancer encore plus et préparer d'autres activités intéressantes, que ce soit au niveau de la MEF ou que ce soit avec nos partenaires, l'Institut français, l'Université Ibn Toufail et d'autres organismes, bien sûr.